Yes, Et bah, du coup là c'est euh, la, la grosse aventure. là, Ça y est, c'est parti, ça a bien bien démarré. On est sur le, le nouvel atelier. Donc là, on a vraiment doublé la superficie, on a un vrai espace de travail. Donc ça fait vraiment plaisir. Au bout de six mois, on a pu euh, basculer sur ce local là. C'est vrai que c'était super compliqué de bosser là-haut. On avait vraiment un tout petit local, de, enfin un espace de travail de 20 mètres carrés. Et euh, là, on a vraiment pu développer le concept. Et c'est vraiment un, un plaisir de, de travailler là-dedans. La clientèle nous a suivis. Donc on va, aller, on va aller présenter ce nouvel atelier là. Voilà, du coup, ça, c'est le, le nouveau spot, le nouveau Martins. Donc là, maintenant, on a le, donc toute la partie euh, atelier sur lequel on bosse, sur les, on va bosser sur les machines. Donc là, on a vraiment pu euh, vraiment optimiser les postes de travail avec. Euh, bah du coup, maintenant, on a de la place. Quoi. Avant, on avait vraiment euh, qu'une qu mini partie. quoi. Donc euh, là, maintenant, c'est méga, c'est méga grand, donc c'est cool. Donc là, on a les panneaux avec les outils un peu spéciaux. Là, ici, on s'est mis un coin de euh, chill. Donc, euh, comme ça, tu peux venir ici, euh, tu te poses. Euh, si tu as une petite révision d'une heure, une heure et demie, euh, tu peux te caler là et euh, tu peux voir en direct ce qu'on vient, euh, qu vient faire sur les bécanes. Ça, bah, du coup, euh, ça c'est une, une BM qu'on a, qu a restaurée euh, quand on était, euh, était là-haut, au tout début. Donc, une, euh, une R50. Donc c'était une épave, quoi, elle est arrivée dans des caisses, elle était dans un état pitoyable. Il manquait 40 à 50% des pièces. Donc là, elle est toute neuve, sortie d'usine. Donc ça, c'était un beau projet, donc c'est cool. Il y a vraiment des gens qui m'ont fait confiance pour, pour vraiment de la belle mécanique, quoi, de, la belle, de la belle restauration. Donc c'est super cool de commencer et, et sitôt avoir des, 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 projets, des projets comme ça à réaliser, c'est... Enfin, franchement, pour l'instant, c'est que du kiff. Euh, Il ouais, y a vraiment tout, hein, parce que là, on va avoir euh, <laughs> vraiment de la bécane euh, complètement insolite. Enfin, c'est des bécanes avec euh, vraiment quoi. Elles ont des propriétaires euh, aussi barrés que leurs bécanes, quoi. C'est un truc de fou. Donc, on voit plein de gens super cool. C'est vraiment génial. Donc, là, on a le petit spot son. Donc, tu peux venir te caler et, euh, et poster un peu des, des vinyles. Donc, ça, c'est cool, quoi. Ça met l'ambiance quand tu, quand tu bosses. Bon bah ça c'est la mienne, hein, et celle-là, euh, j'ai jamais aussi peu bossé dessus que depuis que j'ai un garage-bécane. On va regarder un peu l'atelier. Ouais donc là maintenant c'est cool quoi, avant j'avais vraiment que deux postes de travail, donc maintenant il y a des établis un peu partout, et c'est vrai qu'on continue à développer le truc. Euh, maintenant au lieu d'avoir tout dans des boîtes, euh, j'aurais de galérer à chercher, bah voilà, je commence à, je commence à pouvoir euh, rentrer rentrer du stock. Euh, donc c'est ça c'est ça c'est vraiment cool aussi, ça veut dire qu'il y a de la clientèle. Il euh, y a vraiment une clientèle régulière qui commence à s'installer. Donc là on a le petit poste le petit poste créa quoi qui commence à se développer, on va rajouter un petit tour, une, fraise, une fraiseuse pour pouvoir usiner nos pièces, nos entretoises pour adapter des pièces. Bon après il bah, y a plein de trucs qu'on avait déjà, euh, qu déjà là-haut. Mais voilà quoi, maintenant tu arrives bah, pfft, tout est, tout est calé, tout est dans des boîtes. Enfin, vraiment, en un coup d'œil, tu sais ce que tu as, ce que tu n'as pas. Donc, ça, pour travailler tous les jours, c'est vraiment top. On a vraiment pu développer aussi tout ce qui est fournisseur. On arrive à avoir de la pièce d'origine Harley, directement importée des États-Unis. Euh, on a plein de catalogues de pièces, un truc de ouf. Euh, donc, là, ici, on est au 442, euh, avenue du Souvenir français. Donc, c'est au Bossé. Donc, on est vraiment euh, en périphérie des, euh, de la région toulonnaise. Donc, on est vraiment pas loin. Tu prends les gorges de Louloul, ça te fait une petite balade et euh, en 20 minutes, es ici. On n'est pas loin de Bandol, Saint-Cyr. Donc, on est sur une route super passante euh, bah, pour tous ceux qui montent au Castelet. Quoi, donc, euh, on s'est vraiment rapproché de la clientèle. Donc, ça, c'est euh, chouette, c'est un plus. Et on le ressent, c'est plus facile pour les gens de venir que, que là où on était là-haut. Ouais, le concept, c'était Bioul, euh, Bioul, Harley euh, et BM. Et franchement, bah voilà quoi il y a de la bm il y a de la harley il y a de la buhl bon il y a celle là qu'on avait déjà faite aussi euh, là-haut et puis euh, là on a une xb 12 dehors donc voilà on est vraiment dans les bécanes que je voulais toucher et, euh, et la clientèle est au rendez-vous et ça c'est vraiment top donc ouais du coup il y avait euh, y avait le martins donc c'était vraiment l'atelier euh, donc euh, mécanique quoi un peu préparation tout ça mais euh, il mais y a pas mal de choses que moi je ne peux pas vraiment je peux pas tout faire et je peux pas non plus euh, euh, excédé dans tout, donc euh, j'ai rencontré un peintre carrossier qui s'appelle Alex, euh, donc Funky Colors, et euh, du coup en fait il va venir s'installer, en fait ça c'est un immense local, et il est divisé en deux parties, et dans la deuxième partie bah, c'est lui qui va venir s'installer, et c'est lui qui va bosser sur tout ce qui est carrosserie, donc peinture de ouf, de la paillette, de la feuille d'or, euh, modification de réservoir enfin vraiment tout est possible du coup avec lui ça c'est super cool et c'est ce qui va nous permettre euh, vraiment de finaliser un projet de restauration de A à Z avec même un gros travail de carrosserie et de restauration mais aussi de la customisation complète on va vraiment centraliser ici et pouvoir euh, aboutir un projet de A à Z jusqu'ici Et là du coup bon bah c'est pas encore fini parce qu'il n'a pas fini de s'installer mais euh, ça donne déjà un petit, euh, petit aperçu de ce qui va se passer là. Donc là voilà, ça va être son, son espace création, donc là il a monté, euh, il a monté sa cabine. Euh, donc ici voilà, on amé, il aménage aussi un peu d'écho pour rester dans l'esprit d'à côté et euh, vraiment offrir en fait le, le, le même univers et la même, ambiance, euh, la même ambiance. Donc là il va y avoir ses postes de travail, donc on a tout aménagé, enfin ici il n'y avait, avait rien quoi, c'était vraiment neutre, euh, c il n'y avait, avait que dalle, c'était vraiment juste un lieu de stockage. Donc du coup voilà, ça va être son, son, poste de, son espace de travail qui va, qui va, qui va finir d'aménager. Il devrait être opérationnel d'ici euh, un mois. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc on fera une grosse inauguration aussi pour, euh, bah, pour fêter cette aventure quoi, qui est au bout de huit mois euh, qu'on en arrive là et tout, c'est vraiment cool, ça se développe bien et c'est vraiment chouette. Et là, bah, du coup ça va être notre, notre showroom. Donc voilà ici on aura vraiment un, un vrai accueil avec, euh, avec des canapés, on mettra des bécanes derrière les, euh, derrière les vitres. Et, euh, et voilà quoi, c'est cool, ça fait une petite salle propre. Donc là ça va vraiment ressembler euh, limite, limite une concession. Quoi. Ouais du coup l'histoire de ce local c'est euh, ouf, c'est une, une rencontre avec, euh, avec Maxime, là, le, le propriétaire. C'est euh, un entrepreneur local. Euh, euh, du coin, qui ont à, à peu près le même âge. Et euh, quand j'étais là-haut, c'est vrai que ça commençait à être vraiment être restreint. Il y avait vraiment cette urgence-là de trouver un local. Mais par rapport à la période dans laquelle on était, c'est vrai que c'était vachement compliqué. Et, euh, et putain, je faisais que chercher, chercher. C'était vraiment dur de trouver un local dans, avec un tarif. Euh, voilà quoi. Qu c'était pas trop compliqué pour. Euh, par rapport au fait que l'activité était jeune, donc il fallait suivre aussi ce nouveau local-là. Et euh, du coup, bah, j'ai vu cette annonce de, pour ce local, et euh, du coup, j'ai rencontré Maxime et c'est... Euh, donc, il nous a fait, il nous a fait confiance euh, sur le fait que l'activité était toute récente, mais, euh, mais il nous a suivi, il nous a suivi dans, 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 dans ce projet-là, il est, il est derrière nous, donc c'est cool. Il nous a permis, du coup, bah, de s'installer ici et euh, il est vraiment à fond avec nous sur le concept et il nous aide à le développer. Donc ça, c'est euh, chouette. Et puis, bah, franchement, bah, du coup, il y, y a toi aussi, Keke euh, par rapport à tes vidéos. C'est vrai que ça nous... Il y a quand même... Enfin, euh, les gens qui te suivent sur, sur la chaîne, ça, ça nous a rapporté quand même pas mal de clients, pas mal de curieux qui sont, qui sont passés voir euh, un peu ce qu'on faisait ici. Et ouais, c'est cool. Là, on sent vraiment bien. On sent vraiment ce projet-là d'il y a 5 ans, de se dire « Ok, bah, j'aimerais bien faire ça. » et On va retourner à, à l'école. Et, et ce projet-là que je visualisais, c'est vrai que là on, là, on commence vraiment à le toucher. Et tu, tu sens que là, ça commence vraiment à devenir sérieux et... Et franchement c'est chouette, c'est vraiment le gros kiff quoi. Yes, bah du coup si vous avez une, une Bioule, une BM ancienne euh, et une Harley, franchement n'hésitez pas à venir. Ici on est au 442 Avenue du Souvenir français. Donc je serais ravi de vous accueillir et de m'occuper de votre bécane avec euh, beaucoup de soins. Donc euh, j'espère vous voir euh, encore plus nombreux et euh, tchuss